بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours avec ce que nous avons traduit par jurisprudence du vécu. Donc nous parlons de ce que les juristes musulmans appellent fiqh al-waqi', c'est-à-dire la connaissance de l'espace et du temps dans lequel nous évoluons afin de forger ou de bâtir des édits religieux ou des fatwas, comme on le dit communément. La semaine dernière, nous avons terminé l'émission par des propos que nous lisait le professeur Belmekki. Il s'agit d'une personne, donc les propos sont ceux d'une personne décédée, qui a été placée, mise en avant par la toile, par certains médias, comme étant un réformateur, un nouveau penseur. Et cet homme dira ou a dit « لَقَدْ قَلَبَ الشَّافِعِيُّ الْأُمُورَ رَأْسًا عَلَى عَقِبٍ » Shafi'i a inversé les choses complètement, où il a mis les choses en dessus dessous. « فَاعْتَبَرَ الْأَسَاسَ هُوَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حُلِّلْ » Donc il a considéré que la base, le fondement même de la religion est ce qui est interdit et non ce qui a été rendu licite. وَمِنْ هُنَا جَاءَ الْقِيَاسِ Et c'est à partir de là qu'est venue l'analogie. Al-qiyas, c'est l'un des fondements du droit musulman. أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ Nous avons le Coran, nous avons la tradition prophétique, nous avons le consensus, l'ijma' et le qiyas, l'analogie. Ce sont là les quatre fondements qui font l'unanimité de toutes les écoles de droit. Sauf que quand on parle de consensus et d'analogie, il y a quelques divergences entre les savants. Pour le reste, chacune des écoles va mettre en avant un fondement. Dans l'école malikite, l'imam Malik disait « l'istihsanu tis'atu ashar il-ilm » donc le fait de pencher pour quelque chose parce que l'on voit en cette chose une sorte d'embellissement de l'acte ou de l'islam, eh bien ceci peut faire office de fondement et peut faire que nous penchions pour la chose en question. Bien sûr, il y a une multitude d'outils qui vont accompagner le qiyas, ou bien l'istishab, ou bien le maslah al-mursala, mais l'une des caractéristiques de l'école malikite était entre autres amalu ahli al-Madina, l'œuvre des gens de Médine. L'imam Malik est venu dans la deuxième génération qui est celle des tabi'in, les suivants, et il a rencontré de grands savants, de grands maîtres qui ont connu beaucoup de compagnons du messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam. Et à partir de là, il a bâti l'essentiel de sa pensée sur l'œuvre des gens de Médine. Que faisaient les sahaba, l'ansar et le muhajirin à l'époque du messager de Dieu? C'est ça qui faisait référence chez lui. Al-Qiyas, qui est l'analogie, est l'une des particularités de l'école hanafite, par exemple, bien que même les hanbalites utilisent Al-Qiyas. Donc, pour cet auteur, dont nous ne citerons pas le nom, Al-Qiyas est venu suite à tout ce chamboulement causé essentiellement par l'imam Shafi'i. وَهَذَا لَيْسَ دِينٌ أَصْلًا وَهُوَ مَنَعِشُ مَأْسَاتِهِ الْيَوْمِ Donc, nous ne sommes plus face à la véritable religion et nous vivons actuellement une hécatombe. Donc, il termine en disant وَالْفُقَهَاءُ اعْتَبَرُوا أَنفُسَهُمْ قَيِّمِينَ Est-ce que dans le professeur Belmekki, parce que vous avez pris cela d'un livre, est-ce qu'il est dit c'est ainsi que c'est écrit. Oui. Il n'a pas dit qayyimin. Donc qayyimun, c'est une faute grammaticale, syntaxique. Et le problème est que cet auteur se présentait aux gens comme étant un virtuose de la langue arabe. Donc, وَالْفُقَهَا اُعْتَبَرُوا أَنفُسَهُمْ قَيِّمِينَ بَدَلَ قَيِّمُونَ لِتَعْلِمِنَا كَيْفَ نُمَارِسُ الْحَلَالِ Donc, les juristes musulmans se sont érigés en dépositaires de la tradition. Les gardiens du temple, oui, les gardiens du temple, pour nous apprendre comment pratiquer ce qui est licite.
ولا يوجد مهزلة أكبر من ذلك. Donc, il n'y a pas. Comment traduire mahzala ici? Il n'y a pas plus risible que ça, quoi. Donc, là, il y a. Donc, il y a. Pas plus absurde que ça. Absurde que cela. Là, il y a des termes qu'on va retenir. Alors, l'imam Shafi'i. Qui est l'imam Shafi'i, monsieur Boujnoun? Bismillahirrahmanirrahim. L'imam Shafi'i est un des fondateurs des quatre principales écoles de l'islam, avec le malikisme, le hanbalisme, le hanifisme. Donc, l'imam Shafi'i est considéré aussi comme un des premiers juristes à avoir élaboré une jurisprudence très 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 appliquée, très pointue, qui est présent dans son livre, notamment l'Homme. Oui. Kitab al-Umm, l'œuvre magistrale, ouais, qui est son œuvre magistrale, et que j'ai justement entre parenthèses l'honneur de traduire, voilà, en français. Donc c'est un livre dans les fondements du la jurisprudence, au sol le fiqh. Donc et ce qui est remarquable, c'est que l'imam Shafi'i avait deux phases, deux écoles. Exactement, dans sa vie. Le Qadim ou le Jadid. Voilà, Qadim, c'est quand il habitait, quand il est allé en Irak. Voilà, en Irak. Et le Jadid, quand il est parti en Égypte. Voilà, en Égypte. Lui-même, il est originaire de Gaza, l'actuel Gaza, oui. Voilà, en Palestine. Donc je dis ce qui est remarquable dans le cheminement de l'imam Shafi'i, c'est que il avait justement deux phases dans sa vie. Lorsqu'il était en Irak, il avait élaboré une forme de jurisprudence, de pensée, vu d'après le contexte. Comme vous l'avez dit, dans lequel il vivait, exactement, l'espace et le temps dans lequel il vivait. Lorsqu'il est parti s'installer en Égypte, il a vu un changement radical de la vie. Donc c'était un autre contexte, et il a justement, à partir de là, il a élaboré une autre jurisprudence adaptée au contexte dans lequel il s'est établi en Égypte. Et de ce point de vue, on peut considérer les mêmes Shafi'i et l'école qu'il avait fondée comme une des grandes écoles de les mêmes Shafi'i. Justement, c'était en quelque sorte une synthèse entre l'école malikite, celle de son maître, et l'école d'Abu Hanifa. Donc c'est une école qui était conforme, traditionnaliste, en même temps rationnelle, exactement. Oui, donc il a fait une synthèse entre les deux écoles, et cette école a donné de grands savants dans tous les domaines. يبعث الله على كل 100 عام يا حديث chaque 100 ans Dieu envoie un grand mujtahid, et la majorité des Shafi'i. Exactement. Ça a donné Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali. Ça a donné beaucoup de grands savants. L'école malikite, Suyuti, qui était, oui, entre autres. Mais alors là, il y a quand cette Azdim ibn Abd al-Salam aussi. Azdim ibn Abd al-Salam. Exactement. Oui. Donc le problème avec les propos de ce penseur,
du moins c'est ainsi qu'on le faisait passer, qui était, soit dit en passant, un ingénieur, tout simplement. Alors il parle de l'imam Shafi'i, lui qui était on le faisait passer comme un super érudit de la langue arabe. Alors l'imam Shafi'i, notons-le, quand vous avez traduit une bonne partie, beaucoup d'exégèses, et vous savez que les exégètes, par moment pour démontrer le sens d'un terme, utilisent de la poésie de l'ère anté-islamique, oui. pré-islamique. Oui. Mu'allaqat, etc. C'était l'arabe pur dans oui. le style le plus parfait, le plus éloquent, et avec les poètes arabes, ont démontré que tel terme voulait dire telle chose, ou bien pour aller à l'étymologie d'un terme, on utilisait des vers, de la poésie. Eh bien, tout le monde était d'accord sur le fait que la seule personnalité qu'on pouvait utiliser, dont les poèmes étaient utilisés comme argument en termes d'exégèse, c'était l'imam Shafi'i. Donc l'imam Shafi'i parlait l'arabe mieux que cet homme, dont nous ne citerons pas le nom. Et là, donc, quand il dit « qalab al-umur ra'san ala aqib » et quand il dit par la suite que voilà, cet esprit arabe n'arrive pas à produire, n'arrive pas à s'adapter à son époque, l'imam Shafi'i, vous avez le madhhab al-qadim qui était l'Irak, le madhhab al-jadid qui était celui d'Égypte. Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Parce qu'il donnait des fatwas, il a forgé des avis et une pensée quand il était en Irak, parce qu'il était dans un milieu. Quand il est allé en Égypte, donc tout a changé du tout au tout, et à partir de là, il ne donnait pas aux gens les mêmes fatwas, tout simplement. Donc sommes-nous face à un esprit sclérosé, professeur Benmouski, ou sommes-nous face vraiment à quelqu'un qui réfléchit? Cet imam Shafi'i, dont notre ami parle de la sorte, qalab al-umur ra'san ala aqib, en disant que l'imam Shafi'i partait du principe que tout était interdit, et à partir de là, on allait essayer de trouver quelque chose ou certaines choses qui étaient licites. Alors que l'imam Shafi'i est à la base pratiquement de cette règle de droit qui dit l'aslu fil ashiya il ibaha. Donc tout est licite à la base et n'est considéré comme illicite que ce qui a été décrété en tant que tel par un texte, soit un verset coranique, soit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Shafi'i radhiyallahu anhu, on peut le juger à travers son œuvre, comme vient de le faire Oustad Boujnoun, et aussi par le nombre de musulmans qui suivent son école juridique. Parce que le nombre, il a son poids. Absolument. La jistami'u ummati ala dhalala. Il ne faut pas oublier que l'imam Shafi'i... La communauté ne peut s'accorder ou être unanime sur une déviance. Sur une déviance, la communauté. Ouais. S'accorder ou... Se mettre d'accord. Oui, sur, d'accord, dans le sens même politique. L'ijma'. Et une connivence, on oui. va dire, sur voilà. quelque chose d'illicite. Consensus, majorité absolue, etc. Oui. Il ne peut pas y avoir tout ça sur la base d'une dhalala, d'une déviance. Alors, les pays musulmans les plus peuplés au monde, l'Indonésie, la Malaisie... C'est des Shafi'is. C'est les mêmes Shafi'is. C'est le madhhab Shafi'i. Oui. Enfin, j'aime pas le mot madhhab, mais c'est l'école juridique. Le terme en lui-même, attention, parce que peut-être que beaucoup ne veulent plus l'utiliser parce qu'il a été traduit en langue française par rite. Ce ne sont pas des rites. Ouais. Certains disent le rite malékite, alors que ça n'est pas un rite. Pas un rite. C'est une école de droit. C'est une école avec des juridique. Fondements, avec une pensée. C'est une pensée. C'est comme ceux qui font des documentaires sur les soufis et causent du tort au soufisme en disant « Oui, là, c'est des Boumediennes, le saint patron de la ville. » Alors que le mot « patron » ne peut... C'est un terme purement chrétien. Oui, le patron, c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne peut pas citer une personne sur le plan religion en la qualifiant de patron. Donc, c'est... Mais « madhhab », ça peut vouloir dire « école juridique », ça peut vouloir dire « un avis ». Vous avez 10 avis différents. L'alim foulan dhahaba. Dhahaba. Ou foulan dhahaba madhahabahu. En tout cas,
par exemple, des pays comme... L'Inde et le Pakistan aussi. Oui, oui. C'est... L'archipel malaisien, malais, avec l'Indonésie et la Malaisie, c'est-à-dire la partie musulmane, ils ont fait un choix et ils ont très bien réussi. Je ne vois pas un arabe, comme dit ce penseur, je ne vois rien de pareil. Par exemple, l'Indonésie, ils ont choisi l'école juridique de l'imam Shafi'i, la pensée Al-Sha'ari. Le dogme, et plutôt, c'est le... Non, le maturidé, c'est pour les Hanafites. Les Hanafites, c'est une voiture. Et comme pensée purement politique, notre Melk Ben Nabi national. Oui. Donc, les faits démentent ça, démentent ces assertions. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que l'imam Shafi'i, c'est celui parmi les quatre jurisconsultes, fondateurs d'écoles juridiques, qui a appliqué cette règle du fiqh al-waqa. Oustaz Shkat a très bien fait de parler des deux contextes, Irak et Misr. Moi, je préfère le mot Misr au mot Égypte, parce qu'Égypte vient du prétendu historien Hérodote. Quand il est allé en Égypte, la première chose qu'il a vue, c'est l'ethnie des Coptes. Alors il l'a appelé Égyptos, c'est-à-dire le pays des Coptes. Mais l'Égypte, en arabe, c'est Misr. Et je respecte beaucoup ce mot, parce que il est dans le Coran. Dieu a appelé bien qu'il y ait divergence aussi là-dessus. Misr aussi veut dire... Oui, Misr, Hébito, Misran, Kalou, n'importe quel contrée. Linguistiquement, c'est le singulier de Amsar. Et ça veut dire les pays Tuchoum, les pays limitrophes, ou qui sont multi-ethniques. C'est ça le sens principal du mot Misr. Multi-ethniques. Il y a des Coptes, Des Nubiens, des Revenons à... Oui, non, mais ça, c'est Fiqh al-Waqa. Elles sont intéressantes, les digressions. Non, ce n'est pas des digressions. C'est ça, Fiqh al-Waqa. Ils se retrouvaient dans un pays musulman, mais multi-ethnique, donc multiculturel. Et c'est pour ça qu'il a adapté son fiqh aux exigences du milieu... Contextuel. Contextuel. Ce n'est pas une digression que je fais. J'appuie. Nous parlions, professeur Blanqui, nous parlions de digression dans l'étymologie, quand vous parlez de l'étymologie du mot. Oui, c'est ça. Il faut bien une introduction au thème. Alors, maintenant, parlons un peu des capacités dans la langue arabe de ce monsieur. On remarque dans ses travaux, dans ses pensées, entre guillemets, qu'il joue beaucoup sur la langue, justement, les termes. Le sens des termes. Par exemple, il fait une différence entre « ab » et « walid », entre « et « walida ». Pourquoi? C'est pour détruire plus tard, structurellement, « qadit al-mirath », l'irth. Pour lui, « l'um », ce n'est pas forcément la mère génitrice. Mais elle est prépondérante par rapport à « walida » et elle doit hériter, alors que... Dans le fiqh, cette dame n'hérite pas. C'est l'Walida, la mère génitrice. Biologique, génitrice, qui hérite dans les deux sens. Les enfants, ses enfants l'héritent et elle hérite ses enfants. Alors, c'est ça le jeu visqueux sur les termes qui fait la particularité de la pensée de ce monsieur. Il a joué aussi sur Shahada. Il a dit que, par exemple, tous ceux qui ont participé à la bataille de Uhud, c'est des shuhada, qu'ils soient musulmans ou mouchriquins ou kuffar, c'est des shuhada, parce que lui, il confond. Comment ça, les deux... Oui, parce que lui, il confond délibérément al-shahada, le fait témoignage, d'être témoin de quelque chose. Voilà, et al-istishhad. Il le confond délibérément. Le fait de tomber en martyr. Ouais. Et il dit que Dieu est un martyr, Dieu shahid. Wa kana Allahu alaykum shahida. Il joue sur les mots, ce monsieur. Donc c'est des angles d'attaque, parce que c'est un travail de sape qu'il fait. C'est un travail de sape. Et il a ses angles d'attaque. Parmi ces angles, c'est la structure du fiqh musulman,
Donc il s'attaque à l'imam Shafi'i directement. Pas le seul, d'ailleurs, même Ahmed ibn Hanbal, il l'a attaqué. Oui. Il joue sur les mots, sur les termes. Alors, c'est des trucs essentiels dans le fiqh musulman. L'héritage. Nesl. Nesb. C'est essentiel, ça. La filiation, bien sûr. On n'est pas censé confondre entre l'ascendance et la descendance. Un Walid. Le Walid, c'est le géniteur. C'est lui qui est à la base de Nesl, de la généalogie. C'est pas le père adoptif. Alors, c'est ça, c'est un travail de sape qu'ils font, ces penseurs. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Justement, c'est ce que j'allais dire. Oui. Ce penseur appartient à un courant. Ah oui, c'est une conspiration. Voilà, il appartient à un courant de pensée. Et Skat a très bien fait il a cité un point important dans la personnalité de ce penseur. Il nous a rappelé que c'était un ingénieur en génie civil. C'était pas un faqih. Linguiste. Hein. Oui. Ni un linguiste, ce n'est ni un linguiste, ni un faqih, mais il se permet de faire des analyses, de faire des juridictions, etc. Ça, c'est une preuve de la conspiration. Conspiration, c'est en anglais. Par exemple, on ne permettra jamais à un théologien ou un faqih de faire de l'ingénierie en génie civil. On ne lui permettra jamais de parler dans ce domaine. Mais on permet à un ingénieur du civil de parler dans le domaine du droit canon. Du droit canon. C'est clair et c'est net, c'est évident. En tous les cas, ce courant, si vous permettez, ce courant, comme vous l'avez dit, il est ancien. Il ne date pas de cette personne dont on parle. Ah oui. C'est un courant qui a une certaine... Les sociétés secrètes, ceux qui ont su travailler justement contre l'islam, ceux qui ont réfléchi à un moment donné et... Mais ça veut dire les Ikhwan Safa par exemple, c'est des groupes, c'est des courants qui ont voulu, comme vous l'avez dit, saper l'islam de l'intérieur. Quoique Ikhwan Safa, il y a beaucoup de bonnes choses à prendre. C'est vrai. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui est derrière Ikhwan Safa. Bon, on ne sait pas, vous savez, il faut être... Exactement. Oui, mais attendez, il faut être juste, il faut être réaliste dans la mesure où, qu'on le veuille ou non, il est impératif de nos jours de faire un travail de révision du fiqh. Il y a énormément de choses, franchement, qui ne passent pas, qui ne sont pas du tout acceptables. Vous pourriez lire des livres, vous passez par des passages, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que... Ça, c'est vrai. On va vous dire... On peut imputer, par exemple, certaines choses au Hanaf, ou bien à l'imam Abu Hanifa, ou bien Shafi'i, parce que des Shafi'ites ou des Hanafis ont fait cela, mais les grands imams n'ont jamais... Par exemple, je ne sais pas, un homme qui part, qui s'absente, qui disparaît de la circulation, qui s'absente pendant 4 ans. Sa femme est automatiquement considérée comme veuve. À l'époque, on le considérait comme mort. Bon, la durée n'est pas... Il y a divergence sur la durée. Chacun va donner ses arguments. Et puis, certains fuqaha, par exemple, vous diront, si la femme se remarie, elle a des enfants avec le second mari, 10 ans plus tard, il y a le premier mari qui revient. Et nous avons, dans certains livres, des gens qui vous diront, oui, alors à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? On va automatiquement annuler le second mariage et ce qu'elle a eu comme progéniture avec le premier va être affilié au premier. Non mais attendez, il y a plus que du non-sens là-dedans. Ah oui. Abu Hamid al-Ghazali le disait, Ibn Rushd aussi. Et il y a eu Ibn Rushd, rahmatullahi alayhi, qui... Il est le mujtahid. Alors, Ibn Rushd, oui, le hafid. Il y a le sahib al-bayan ou al-tahsil qui est le jad. Il y a le hafid, c'est lui, Averroès, dont tout le monde parle.
ceux qui calomnient l'imam Shafi'i oublient que c'est lui qu'il était à la base de ce courant de pensée qui a produit des gens comme Ibn Rushd, qu'on appelle Averroès, Ibn Rushd. Donc, il est difficile d'imaginer que l'imam Shafi'i était un esprit. Était un juriste malikite, grand cadi. Qadi al-Qudat. Qadi al-Qudat, c'est ça. Mais il n'en demeure pas moins que, tout comme ça s'est produit à l'époque même des Sahaba, Ibn Abbas, radiallahu anhu, disait, si je me donnais la liberté de dire tout ce que je pensais, vous me décapiteriez. C'est pas Ibn Abbas, c'est Abu Huraira. Il y a Abu Huraira qui a dit ça, mais Ibn Abbas aussi l'a dit. Le prophète m'a enseigné deux sciences. La première, je voulais divulguer. Oui. Et si je vous divulgue la deuxième, vous allez me décapiter. Oui. Et dire que vous avez tué un mécréant. Il est là le problème. Donc, Ikhwan Safa, honnêtement, quand j'étudie. Quand je lis Ikhwan Safa, je trouve énormément de choses qui m'inspirent. Et là, il y a un espace quand même. Et ça, ceci, nous l'avons appris des grands fuqaha, des grands juristes. Nous ne l'avons pas appris chez d'autres personnes. Le problème à l'heure actuelle, c'est que vous avez des gens qui, au nom de la liberté d'expression, veulent faire revenir l'école des Mu'tazila, qui elle-même a produit mal de bonnes choses. Oui. Mais elle a une part de... Mais il n'en demeure pas moins que l'école Mu'tazili a été à la base de la première inquisition en islam. Il n'y a pas eu des gens qui se sont opposés à la liberté d'expression et à la liberté de penser comme le Mu'tazila. Il est là notre problème, je pense, du moins. Parce que le Mu'tazila... parce qu'ils ont le fiqh al-mu'tazili se fonde sur cinq piliers. L'un de ces piliers, c'est l'amr bil ma'ruf ou nahy al-munkar. Oui. Mais quand vous analysez cette partie de leur pensée, l'amr bil ma'ruf, c'est ce qu'ils disent eux, ou le munkar, c'est ce que nous disons nous. C'est ce que disent les autres. Oui. Tout est. Mais il faut pas oublier que. Il ne faut pas oublier que la meilleure interprétation c'est Zamakhshari qui était Mu'tazili. Bon, il est revenu comme Abu Uthman al-Jahd. Ils étaient Mu'tazili, mais ils sont revenus À ce qui a été baptisé par la suite sunnisme. Voilà. En raison de toutes ces pensées. Mais il n'en demeure pas moins que la meilleure interprétation exégèse du Coran, le Bayaniyya, c'est celle de Zamakhshari. Oui, c'est vrai. Pour ajouter de l'eau à votre moulin, vous avez parlé d'une nécessaire. Il faut revoir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a dans la jurisprudence musulmane, le fiqh, des choses qui ne cadrent pas, il faut le dire, qui ne cadrent pas avec. Mais heureusement que le fiqh a été élaboré par des humains. Et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les juristes musulmans de faire une révision de ce fiqh à la lumière des données actuelles du contexte. Justement, parce qu'il y a les modernes. Pourquoi il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un comme les mêmes chefs, par exemple? Oui, qui appelle justement. Il y a des gens. Mohamed Abu Zahra, rahimallah, a essayé justement de faire cette chez Tal ben Achor. Oui. Tal ben Achor. Là encore, ce sont des humains et ça restera des choix. Fait par des humains. Il ne faut pas maintenant tomber dans les travers souhaités par les modernistes, parce qu'il y a toute une loge qui est en train de faire ce travail de sape dont parlait professeur Benmaki tout à l'heure, et qui veut justement travestir cette religion. Le problème est là actuellement. Et comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, avant qu'on entre en studio, c'est... créer une foi sans loi. Voilà, c'est ça, une foi sans loi. Je vais vous raconter, s'il vous plaît, je vais vous raconter une anecdote
une histoire vraie hein, qui m'a été racontée justement par des jeunes musulmans qui ont une association à Lyon, que vous connaissez certainement. Ils ont une association à Lyon, des jeunes musulmans de plusieurs nationalités. Ils m'ont dit un jour, c'était des années 90, ils ont invité justement un penseur comme celui dont on parle. Ils l'ont invité pour leur faire une conférence. Justement, la personne, ce penseur, était à l'époque un peu célèbre, était reconnu quand même. Donc, ils m'ont dit, il nous a fait une conférence. Ils m'ont dit, à la fin, on l'avait invité à prendre un repas dans un restaurant chic quand même à Lyon. Ils m'ont dit, il a mangé, on a discuté. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé un verre de vin. Alors, ils m'ont dit, pour nous, cette personne était quelque chose de on voyait en elle un réformateur, qu'on avait dit, un de ceux dont parle le hadith, parce que c'était des jeunes, ils voyaient en lui, une icône. Voilà, donc ils m'ont dit, sans aucune considération pour nous, il a commandé un verre de vin. Voilà, donc ils m'ont dit, donc voilà ce que l'islam, que cette personne... Justement, là aussi, il y a un autre problème. Alors, je le dis pour subir un peu. Il y a des gens qui envoient des emails sur les différents comptes que j'ai pour certaines émissions, et beaucoup nous disent oui, vous voulez faire passer votre pensée, vous voulez l'imposer. Mais non, nous sommes des êtres humains. Ce que nous disons, nous ne le disons que parce que nous pensons que c'est ce qui est le plus proche de ce qui serait, je dis bien au conditionnel, serait souhaité par Dieu, pas plus ni moins. Si ce que je dis, si je ne pensais pas que ce que je suis en train de dire était beau, bon et bien, je ne le dirais pas, tout simplement. Si mon avis, je ne suis pas convaincu de son bien fondé, je ne le dirais pas, je reste un être humain. Mais le problème avec ces gens qui veulent justement maintenant, depuis tout à l'heure nous disons ce penseur, finalement il y a tout un groupe de personnes qui ont investi la scène, oui, qui parlent, qui ont le même langage. Et du jour au lendemain, vous les voyez dans des chaînes satellitaires, ils ont des moyens, ils font le buzz. Et pourquoi? Parce qu'ils disent ils débitent des qui plaisent à certains. Voilà. Comme par exemple je ne sais pas. Maintenant, beaucoup, je le vois sur Facebook, par exemple. Beaucoup, Hassan al-Banna, un tel, oui, l'imam Shafi, oui, l'imam Hanbal, c'est des rétrogrades, c'est je ne sais quoi. Et puis, allez dire à ces gens-là qui sont des bien-pensants, oui, je pense que sur ce point, Arkoun a été vraiment passé à côté de la plaque. Comment osez-vous dire ça? Oui, mais attendez, je ne parle pas de Dieu, je parle d'un être humain comme moi. Ces idées, elles sont plus que démontables, je suis désolé. Et on est dans le même contexte, justement. Oui, le vin, non, finalement, non, le Coran n'a pas interdit le vin. Comme ce pseudo, il y a un ignare qu'on fait passer pour chercheur en soufisme. Ça veut dire quoi, chercheur en soufisme? Et islamologue, en plus. Et ça veut tout dire. Et ça ne veut rien dire. Alors le type, il est là, il vous dit, oui, de toute manière, on ne peut pas prendre, je ne sais pas, comme argument tel ou tel autre verset, parce que chaque verset a 2000 exégèses différentes. Non, mais soyons sérieux. Dans un colloque, enfin dans une réunion, une journée d'études, j'ai dit à cette personne, donnez-nous un seul exemple, un seul verset, avec 5 exégèses différentes. Il y a, attention, il y a l'aqwal al-mukhtalifa et il y a l'awjuh fi qawlin wahid. Il faut bien saisir la nuance entre ces deux termes. Le type, il vous dit, oui, on a une multitude. Donnez-moi un exemple. Ça fait 10 ans que j'attends cet exemple. Je ne l'ai pas eu. Donc, il y a un travail à faire, mais ce travail à faire, est-ce qu'on peut, par exemple, créer une assemblée collégiale et on lui donnerait ce travail?
Je suis désolé, pour ma part, si vous le donnez aux adeptes d'un certain courant rigoriste qui nous viennent des pays du Golfe, je n'accepte pas, parce que ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. D'un autre côté, si vous le donnez à ces nouveaux pseudo-penseurs islamologues et je ne sais quoi, qui disent n'importe quoi, ça aussi, là aussi, ça n'est plus acceptable. Oui. Nous avons des gens qui sont très très sérieux, qui étudient les hadiths à la lumière de la science. Mais attendez, soyez sérieux. Nous parlons de spiritualité et vous parlez de science exacte. Et la foi, elle est transcendante. Vous ne pouvez pas l'analyser, vous ne pouvez pas la quantifier, vous ne pouvez pas la mettre sous un microscope. Donc soyons... Il y a énormément de choses qui font défaut justement dans cette démarche. Ce qui est sûr, en tout cas avec les grands savants de l'islam, c'est qu'ils ont toujours été, on va dire, très très respectueux d'un certain nombre de principes et de paramètres, entre autres le respect ou bien la prise en considération du lieu, c'est-à-dire de l'espace et du temps. Abu Hanifa lui-même a dit, on lui disait, oui, mais attendez, vous dites des choses et Salaf Sahaba disait d'autres choses. Qalahum rijalun wa ana rajul. Je suis désolé pour vous. Eux, ils ont vécu leur époque. Moi, je vis la mienne. Et puis, si je remonte aux compagnons du prophète, j'ai cette sentence, pratiquement, cette citation d'Omar ibn Khattab qui enseignait, qui commandait ou recommandait aux parents d'être plus compréhensifs de leur progéniture en disant « fa'innahum ». C'est-à-dire, il faut les accompagner. Ils sont nés à une époque qui n'est pas la vôtre. Khuliqou li zaman ghayri zamanikum. Donc, pour revenir, vous disiez tout à l'heure, ce jeu n'est pas nouveau. Même chez les Khawarij, il a été connu. Nu'aym ibn al-Azraq, Zaim al-Azariqa. Asfar ibn al-Azraq. Ou bien, il disait... C'est une secte de Khawarij. Oui, quand il a rencontré Ibn Abbas, il citait des mots du Coran, il disait « Ceci n'est pas de l'arabe ».« Awa ta'rifu l'arabu dalika ibn Abbas ». Et Ibn Abbas donnait des exemples en partant justement de la poésie arabe de l'ère anté-islamique. D'ailleurs, je récite jusqu'à présent des vers que je n'ai jamais pu comprendre, tellement c'est puissant quand il disait « وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ قَالَ مَا شْمَأَزَّتْ وَتَعْرِفُ الْعَرَبُ دَلِ » Les Arabes connaissent-ils ce terme ?« قَالَ أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ عَمْرِ بْنِ كَلْتُمْ » Et là, amis téléspectateurs, ce sont des vers que je me suis évertué à bien bien apprendre, à bien mémoriser, à chaque fois que je les cite, ça me donne une idée de ma faiblesse en termes de connaissance de la langue arabe. قال أما سمعت قول عمرو بن كلثوم قال إذا عظم. Je sais que ça parle des chamelles qui sont, on va dire, récalcitrantes. « إِذَا عَضَّ بِهَا الثِّقَافُ شْمَأَزَّتْ وَوَلَّتْهُ عَشَوْزَنَةً زَبُونَ عَشَوْزَنَةً إِذَا انْقَلَبَتْ أَرَنَّتْ تَشُجُّ قَفَ الْمُتَقَّفِ وَالْجَبِينَ » Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai appris ce vers et j'ai tenté de le comprendre. Mais pour vous donner une idée déjà de l'immensité de cette langue arabe et du fait qu'il y ait toujours eu des esprits malsains, malveillants, qui ont travaillé sur ça. Et avec ce début du 21e siècle, c'est-à-dire, bon, ça va commencer avec le début carrément du 21e siècle, on a remarqué, vu l'émergence d'un certain nombre de personnalités qui n'avaient rien à voir avec les sciences religieuses, qui n'avaient aucune compétence, aucune expertise et qui parlaient de tout et de rien. Et malheureusement, je suis désolé pour beaucoup d'entre vous, quand vous nous parlez d'une personnalité comme Arkoun, je suis désolé, ça ne peut pas faire partie des penseurs musulmans. Ça peut être un penseur critique, vous pouvez le considérer comme pratiquement c'est une version hybride de l'orientalisme, mais ça n'est pas un penseur musulman. Parce que dans tout ce qu'il dit, moi qui suis un petit musulman, je lis Arkoun, c'est la déconstruction de l'islam, tout simplement. Ça, nous aurons l'occasion d'en parler avec les nouveaux réformateurs. Maintenant, quand on parle des fuqaha aussi,
Nous l'avons remarqué chez une personnalité algérienne qui passe son temps à médire des fouqaha. Oui, les fouqaha ont fait, les fouqaha ceci, les fouqaha cela. À la limite, si on me parlait des muhaddithin, c'est vrai que quand le hadith a pris le pas sur le fiqh, il y a eu beaucoup de déviations. Oui. Mais les fouqaha, est-ce qu'ils ont réellement pris l'islam en otage, l'ont modelé comme ils le voulaient et l'ont présenté aux gens comme eux le voulaient? Non, pas du tout. Les fouqaha ont essayé, comme l'a dit justement Abu Hanifa, ont essayé de, en tant qu'être humain vivant à leur époque, dans leur contexte, ils ont essayé d'élaborer une jurisprudence qui soit adéquate avec justement le milieu dans lequel ils vivaient. C'est vrai que le caractère, le tempérament de l'être humain influe un peu sur... On a dit, d'ailleurs les fouqaha disent que Abdallah ibn Omar était connu pour être un peu sévère, rigoureux, contrairement à Ibn Abbas qui était plus ou moins souple. Oui. Donc c'est vrai, mais de façon générale, les fouqaha ont fait une œuvre extraordinaire en nous présentant, par exemple, Ibn Asher, lorsqu'on lit Ibn Asher, au contraire, il a essayé de simplifier autant que faire se peut les règles juridiques de l'islam à travers même de la poésie. Et, donc c'est vrai que c'est pas le Coran. Le fiqh est une œuvre humaine. Est une œuvre humaine élaborée à partir des sources fondamentales que sont le Coran et la tradition. Mais comme justement vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons des règles qui permettent de toujours revoir les choses, avancer, progresser à travers ce qui permet cela, comme l'ijtihad, comme l'analogie, le qiyas, comme l'istihsan, l'istishab, etc. Donc ce sont des outils qui permettent aux musulmans de toujours être au jour le jour, si j'ose dire, dans la jurisprudence quotidienne de sa vie. Finalement, c'est une actualisation permanente. Exactement. Si. Voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier quand on parle de ces gens, c'est que, comme on l'a dit la dernière fois, l'islam se positionne en fonction de trois critérions. Le Saint-Coran, les hadiths, qudusi ou ordinaire entre guillemets, et la sira. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces maîtres qui ont fondé des écoles juridiques? Ils ont établi des corpus, parce qu'il faut des corpus pour la postérité. Il faut absolument éviter l'oralité, parce que l'oralité, elle se déforme avec le temps. Et Oussel Shkat a cité au début, c'est un continuum espace-temps, dans l'espace et dans le temps. Par exemple, le cas de l'imam Shafi'i nous a montré qu'entre l'Irak et Misr, il y a une différence culturelle, donc il va y avoir une différence dans la pensée juridique, etc. Il faut tenir compte de tout ça. Alors ces gens... respectables, ils nous ont laissé des corpus. Les fouqaha, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils établissent des cursus. Il y a le cursus et le corpus. C'est une continuité. Il ne faut pas essayer de désintégrer tout ça en essentialisant. Parce que là, ce que font ces penseurs modernes, qui n'ont rien à voir avec ça, de toute façon. C'est des philosophes, c'est des ingénieurs, des,
qui n'ont rien à voir avec ce domaine. Mais ils interviennent et ils commencent à faire leur travail de sape. Comment ? En essentialisant et en personnifiant la problématique. Par exemple, ce monsieur dont on parle, il a même fait une extrapolation, il parle des Arabes. Bon, je vous cite parce que ce cas vient de parler des Arabes. En tant que détenteur de cette langue, qui, ne l'oublions pas, aujourd'hui se compose de 12 400 000 termes. Pour vous donner une idée, la langue française qu'on est en train de parler, c'est 150 000 mots. Très à riche. La base, non, c'est 126 000, même pas. Bah, arrondissons pour, oui. pour, très riche, la langue pour la personne. Très 150 000 mots, l'anglais c'est le double, 300 000 mots, mais l'arabe c'est 12 400 000 mots. Comment se permettre de dire à Ibn al-Abbès, ce mot n'est pas arabe dans le Coran, ce mot n'est pas arabe. Ça c'est de la déconstruction, avant terme. C'est de la déconstruction. Quand vous dites tel mot n'est pas arabe. Non mais attendez, mais... justement, quand j'analyse, parce que personnellement, j'ai appris à étudier le fiqh en prenant en considération l'histoire, parce que les anecdotes ou bien les faits ont une histoire, ils ont une genèse, et à partir de là, on étudie le tout. On ne va pas étudier juste ce qu'a dit le maître. Oui, ceci passe, ceci ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a le verset qui est cité? Est-ce qu'il a des causes de révélation? En tout cas, est-ce que le degré, faites ceci et ne faites pas cela, entre le fait d'agir et de ne pas agir, il y a aussi des paliers. Il y a des choses considérées comme étant haram, donc qui ne passent pas du tout, qui sont péchés, qui sont illicites. Il y en a d'autres qui sont dans ce que nous appelons le makroh, donc ce qui est abhorré. Même quand Dieu dit « faites ceci », il y a l'impératif qui implique une obligation religieuse. Il y a un impératif qui n'est autre qu'une autorisation. Il y a l'indication, il y a l'orientation, il y a énormément de choses. Donc, moi, quand j'entends des gens parler, et puis c'est des écrivains, je ne sais pas, moi, vous avez quelqu'un qui écrivait des romans à l'eau de rose, qui du jour au lendemain devient un réformateur, qui fait qui enchaîne les articles sur des journaux qui sont très très tendancieux, ouais. hein, des caisses de résonance des médias occidentaux, et voilà, il vous parle d'islam, l'islam des lumières, qui sont les lumières, on ne le sait toujours pas, et puis vous parlez d'Ibn Rushd, alors que vous êtes les plus éloignés de la pensée d'Ibn Rushd, et quand nous avons cité en début d'émission l'imam Shafi'i avec le madhhab al-qadim, ou bien qala fil qadim wa qala fil jadid, n'oublions pas que l'école malikite elle-même, elle a pratiquement 16 sous-écoles. Oui. Il y a celle d'Irak, il y a celle d'Égypte, il y a celle du Maghreb, il y a celle de le Maghreb, c'est l'Occident oui, musulman. Ouais. Il y a l'Afrique qu'on dit, enfin l'Afrique noire, parce qu'on va faire la différence entre les gens du Nord et les gens du Sud de ce même continent. Vous avez l'islam d'Andalousie qui est très très différent de celui de la rive sud oui. de la Méditerranée. Ma jara bihi l'amal. Ce qui fait usage va prendre Chantébé, une certaine... c'était en Andalousie. Et là. Donc, il n'y a pas que l'école Shafi'ite qui ait fait ce travail. L'imam Ahmed et la pensée de l'imam Ahmed, elle a été dévoyée par les Hanbalites après lui. Chez les Malikites qui ont une très très belle école, n'oublions pas que ce sont des Malikites qui ont pratiquement assassiné l'imam Shafi'i. Il a été tabassé par des malikites. Et c'est des malikites, qui ont brûlé les livres de l'imam al-Ghazali, oui, en Andalousie. Et l'autodafé d'Ibn Rushd. C'est par des malikites. Je veux dire par là que je suis obligé d'étudier l'histoire et le droit canon en même temps. Je suis obligé de reconnaître une erreur là où il y a erreur. Mais de là à travestir la religion, à faire selon mes goûts, alors que je suis censé faire selon ce que Dieu veut, subhanahu wa ta'ala, là, franchement, je suis désolé, on ne parle plus d'islam. Quand il y a eu le coronavirus,
remarquez que la commission savante du ministère des Affaires religieuses et des Waqf, elle a fait un travail remarquable dans la mesure où c'est des gens et qui ont essayé de trouver les solutions les plus adéquates en sortant par moment de l'école malékite. Ce n'étaient pas des esprits figés. Alors, c'est un avis qui est, il y a un avis qui n'est pas du tout considéré dans l'école malékite. C'est l'avis le plus répandu, par exemple, c'est chez les Shafiris. Et on vous dit, par exemple, وَهَدَ مَدَهَبَ إِلَيْهِ ibn Habib مِنَ الْمَلِكِيَةِ. Donc, il a choisi. Ce qui veut dire que même les, et quand vous étudiez les grands manuels de droit canon, quelle que soit l'école, on va prendre, par exemple, chez les musulmans, chez les malékites, vous allez prendre quelqu'un comme le Sahib Risala, j'ai oublié ça. Le Qayrawani, Abou Yazid Qayrawani. Vous prenez un livre, une référence chez les Hanbalites comme le Mourni, d'Ibn Qudam al-Maqdisi. Vous prenez un livre chez les Hanafites ou chez les Hanbalites ou chez les Shafi'ites. Vous allez toujours trouver que oui, dahaba ashabuna ila dahada maqara, qala ashabuna. Donc, nos amis, c'est l'école. Puis on vous dit, mais un tel a dit cela. C'est-à-dire qu'un tel est sorti de l'école et a choisi un avis qui est celui des autres écoles. Ce qui veut dire que durant toute l'histoire des musulmans, à chaque époque, il y a eu des gens qui se sont affiliés à une école parce qu'on ne peut pas tout apprendre en même temps. On est obligé d'être dans une école, d'avoir déjà une base, un socle. Et à partir de là, il y a beaucoup de grands savants qui ont finalement dit ce qu'ils pensaient être vrai, tout simplement. Il y a des savants qui ont atteint le degré de mujtahid, voilà, qui étaient au-dessus de toutes les écoles. Ils étaient eux-mêmes une école. Donc ils n'avaient pas à se conformer à une école particulière. Maintenant, quelle est... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui... Vous recevez vous-même des messages. Il y a beaucoup de gens qui vous disent « Nous ne savons plus à quel saint se vouer ou nous vouer. » Maintenant, il y a quelqu'un qui a vécu dans un système de pensée occidentalisé, à outrance. Il est clair que certaines idées qui viennent de très très loin, je parle de l'histoire, et de très très loin aussi, je parle de la géographie, donc ça vient d'Orient et de quelques siècles auparavant, ça va un peu heurter sa sensibilité. Je ne peux pas accepter cela. Moi, j'aimerais bien être à l'air du temps, moi j'aimerais bien vivre comme vivent les superpuissances, les gens qui ont dépassé tout cela, alors que finalement, l'Occident n'a jamais rien dépassé. L'Occident, c'est l'Occident. Il est un peu plus sophistiqué, il est un peu plus beau, mais pas plus ni moins. Quel conseil donner aux gens? Est-ce que ces gens qui lisent des personnalités qui ne font que dans la critique et de manière abusive, est-ce qu'ils ont le droit, s'ils ont un degré ou une certaine connaissance qui leur permet de faire la distinction entre ce qui est vrai de ce qui est faux, est-ce qu'ils ont le droit de se limiter à ces penseurs ou à ces gens qu'on a érigés en penseurs, en dépositaires de la sagesse universelle? Est-ce qu'ils ont le droit, honnêtement? Est-ce que j'ai le droit de venir vous dire « Oui, quand quelqu'un comme Harkoun parle, personne n'a le droit de s'opposer parce que c'est un grand penseur. » Alors que j'ai des penseurs en islam, des contemporains, à côté desquels, je ne sais pas moi, Harkoun, c'est Ypsilon. Harkoun, oui. Harkoun, déjà il n'a pas fait une formation théologique, voilà. Exactement. Avec le domaine. Exactement. Donc il a fait une formation en arabe.
Donc je me souviens, Cheikh Bouhamran, il a toute une synthèse voilà. sur lui. Il a étudié, il m'a dit un jour, nous avons étudié ensemble la littérature arabe. Donc il n'a pas fait une formation théologique. Donc il a été foulé. Il faut le dire, c'est ça, c'est l'histoire. Il a été influencé plusieurs par. Par un seul. Cheikh Bouhamran m'a donné le nom d'un seul orientaliste. C'est pas Massignon, non. Non, pas Massignon, non. Un autre m'a dit tout ce qu'il écrit, il le prend, c'est du copier-coller d'un seul orientaliste. Et Cheikh Bouhamran était docteur en philosophie. Exactement. Attention. Oui. Donc, oui, le seul conseil que je pourrais. Lui garder, arrivant, c'est pas lui garder, non? J'ai oublié. En tout cas, un conseil à donner à nos téléspectateurs. Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de ne pas tout accepter, de ne pas tout assimiler, de ne pas tout gober. Ça, c'est votre droit le plus absolu. Mais faites au moins l'effort de lire, de faire des synthèses entre les différents courants pour avoir un avis plus éclairé sur un certain nombre de questions. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous poursuivrons probablement ou de manière plus ou moins déclinée la prochaine fois. D'ici là, nous vous disons « Nastaoudi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'u, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ».